Oh, je tourne pas assez, Non! Bon, voilà. Alors, bon matin, mesdames et messieurs. Bienvenue à Freeride Québec. Hop! On est présentement à Vallée-Bas-du-Nord, au Roquemont, en automne, en confinement. On est 9h30 le matin et il y a personne. Genre personne de chez personne. Aujourd'hui, on fait du bike et je viens de recevoir un petit quelque chose de très très le fun. La toute nouvelle GoPro Hero 9 Black. Et on va venir faire des petits tests aujourd'hui en cette journée un peu frisquette et pleine de feuilles. Mais c'est le fun, il n'y a pas grand monde dans les trails. On va pouvoir prendre ça chill. On va essayer quelques petits modes intéressants de la GoPro 9. Fait que présentement, j'ai à peu près les mêmes settings que j'ai d'habitude. Et on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça dit niveau image. Je crois que les couleurs sortent un petit peu différemment sur la Hero 9 versus les 7 et 8. Qu'est-ce que j'ai vu sur Internet? Qu'est-ce que j'ai lu? Le son semble très bon aussi. Fait qu'on va expérimenter un peu. Ah. Oh, qu'il y a des feuilles! Ça n'a pas été soufflé! Fait qu'on va swatcher pour pas pogner de roche ou de whatever. Dire, guys, avec la semaine qu'on a eue de pluie et d'annonce du gouvernement, ça fait du bien d'être sur le bike. Oh, que ça fait du bien! Tu sais, je sais qu'on a tous un âge différent. On roule tous un genre de bike différent. Des fois, on roule seul ou en famille, ou peu importe. Il y a une maudite affaire qui nous réunit tous. C'est le fait d'aimer faire du bike, aimer décrocher en nature. Que vous faites du DH, de la trail, whatever. C'est tellement le fun juste sortir de la ville, aller s'isoler dans le bois, faire les trails qu'on aime. Maudit que c'est le fun. Yep. Alors, pour commencer, une petite jolie gel que j'adore. Les petites pistes de réchauffement. Je suis rouillé. Pas roulé de la semaine. C'était creux, ça! What? Le derrière a pas passé puis j'ai failli passer over the bar. Je suis pas à l'aise de jumper avec la fourche. Gah. Ah. Ok. Bon petit réchauffement. Oh! Ça n'a pas été soufflé, ça. Ah ah! Pour vrai, une chance que je connais les trails, je me demanderais si je serais encore dedans. Là. Fait que là, guys, je vais vous montrer un petit mode qui est nouveau avec la Hero 9. On appelle ça le Horizon Leveling.
Donc, en gros, qu'est-ce que ça fait? C'est que votre GoPro 9 est maintenant... Je pense que je jasais pas trop, hein? Hey, VBN! Bonjour! On a un petit accident ici. Oh, shit! Ok, il va falloir que je les texte. Il faut pas que les gens arrivent trop vite de la roche-mère. Ok. Hey, je disais quoi avant de dire tout ça? Ah oui, ok. Fait que la nouvelle GoPro 9 est équipée d'un Horizon Leveling. En gros, votre GoPro est équipée d'un gimbal intégré. C'est-à-dire qu'avant le logiciel, oui, elle est comblée la vibration. Mais maintenant, si je tourne la tête de gauche à droite, jup, 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 la caméra va rester au niveau. Mais, là on arrive à la partie plate, vous autres vous savez déjà probablement, moi je suis en train de rider, je ne le sais pas encore, c'est que lorsqu'on met le Horizon Leveling à ON, l'objectif, la GoPro, est moins large que le Super View. Donc qu'est-ce que ça fait au lieu de voir jusqu'à la tête ici? Vous allez voir plus en avant. Et, pour l'instant, ça doit être vraiment merdique sur la caméra. Parce que la caméra, l'objectif, est trop petite pour bien voir le guidon d'un rider en bike comme moi à Freeride Québec. Alors, on va laisser faire un grand again en Horizon Leveling. Je vais vous montrer un petit peu ça ressemble à quoi. Mais, comme vous vous rendez compte, la piste n'a pas été soufflée, fait que je pourrais pas aller vite. Je sais pas trop qu'est-ce qui se cache en dessous de ces feuilles-là. Ah, elle a été soufflée à partir d'ici. Nice. Ah, non, finalement, non. Yeah. Yeah, OK. Fait que Mathieu, c'est que t'as failli te planter dans ce trou-là, là. Yeah. OK. Ces trails-là vont avoir besoin d'amour, hein? Ça doit vous donner une petite idée de qu'est-ce que le Horizon Leveling peut donner. Donc, dès que ça va être disponible, je vais aller chercher la nouvelle lentille de GoPro pour pouvoir élargir un peu la perspective. Donc, j'imagine que ça va donner à peu près la même largeur que le Super View que vous voyez d'habitude. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était donc bien gros. Mais t'es quoi, toi? Hein? Un genre de raton laveur? C'est un gros raton laveur, ça, hein? Bon, là, j'ai scrappé mon temps, ce travail, en plus. Ah! Petite pandémie. Oup! Et voilà, fait qu'une petite grande again en Horizon Leveling qui doit pas mal plus ressembler à une vue de drone qu'autre chose. Oh, shit! Oh! That's deep. Cham, c'est pas drôle. T'amènes ça proche de l'humidité. T'as même pas de chalot, là. C'est sûr que mon dérailleur a pas de chalot. Puis... On ramasse du foin pour les vaches. Puis je me demande tout le temps combien de ces petits b-sides-là vont se ramasser dans les vidéos des fois quand je dis niaiserie. Version automnale de la tourélie. La trail la plus fun, tout le monde l'aura. Commence à avoir du vécu cette piste là. Hop. Ah.
Whip! Wow! Tout qu'un rider, hein? Hop! Je me suis éclaté dans cette berm la semaine passée aussi. Je filmais, j'ai bottomé ma fourche sur la roche et j'ai défoncé le berm en bas. Oh. Quelqu'un sait comment faire ce saut là, je veux le savoir. Burp. En tout cas, le bike va bien pour jumper. Avec le offset plus court en tout cas. Mais il y a trop de points négatifs. Yep. Même il jump très très bien. Correct, que je m'en vais faire là. Burp. Oh, il n'y a plus le petit whale tail. Oh, il était amusant. Parce que plus de whale tail, ça fait un sacrement de doute, ça. Ouf. Burp. Maybe someday. Hop. Bon ben, on dirait que je retourne vers l'accueil. Hein? 14,99. 15 km, ok. Sounds good. Bon ben, mesdames et messieurs, si vous avez apprécié ce petit preview de la GoPro Hero 9, vous pouvez donner chip 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 un petit oiseau. Donner un petit thumbs up aux vidéos. Peut-être même vous abonner. J'ai des beaux vidéos de bike qui s'en viennent tout l'hiver parce que j'ai beaucoup filmé et j'ai pas le temps d'en éditer la moitié. Alors, mon nom est JP, ceci était un autre épisode de Freeride Québec et on se voit dans le prochain, que ce soit en GoPro 987 654321. Bye bye!